je me présente, je suis Madame Camara Aya Diallo. Approche. Madame Camara Aya Diallo. Oui. Je suis administrateur de ressources humaines. Oui, justement, vous venez de voter. Et justement, quel sentiment vous anime en ce second tour de l'élection présidentielle au Mali? En tout cas, mais ma voix compte. Et je voudrais que le nouveau président soit un président pour tout le Mali. Le Mali a déjà souffert. Nous nous souhaiterons trouver un président pour le développement du pays. Les jeunes sont là sans emploi. L'éducation, il n'y a pas d'éducation. La santé, ce n'est pas comme nous le souhaitons. Donc le nouveau président, il faut que ce soit un président pour le développement socio-économique, culturel du pays. Et l'insécurité qui règne au nord et au centre, il faut que le nouveau président soit un président qui aura une solution pour l'insécurité qui nord, l'insécurité dans tous les pays. Parce que maintenant, ce n'est plus le nord. L'insécurité, là, c'est partout maintenant. Ouais. Et vous avez un autre mot à ajouter? Bon, il faut que les Maliens suissent. Ça va. Les Maliens sont dispersés. Il faut que les Maliens suissent. Il ne faut pas tenir compte d'un homme, il faut tenir compte de son pays. C'est le pays qui prime. Les colorations politiques, là, il faut qu'on laisse ça de côté et qu'on pense à notre pays. Il est temps que le pays change. Merci, madame. Le Mali, c'est un pays vraiment qui a de l'espoir. Donc vraiment, le nouveau président, là, il faut qu'il fasse attention aux jeunes. C'est les jeunes qui sont l'espoir d'un pays. Et le développement d'un pays passe par les jeunes. Ça, c'est mon mot à dire. Merci, madame. Merci, madame.